anglaise, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Voir l'esprit de défense et faire de chaque jeune congolaise et congolais un citoyen et une citoyenne engagée. J'ai 18 ans, je me suis fait recruter dans l'armée. Et toi? J'ai 22 ans, je me suis fait recruter dans l'armée. Et toi? J'ai 25 ans, je me suis engagé dans l'armée. Et toi? Boya Ebele, Totombola Bendele, Yambo Kanabiso. Ozaman pinga maikolo Kongo, moto abangi sayote. Peko banga eloko moko te. Ko banga mangungu ya pambala pambala te. Tola pakingai, toko wapona ikolo. Biso mampinga, topo isaka bendele ekolo te. Topo isaka bendele ekolo na biso te. Tobunda, totangi sa makilama biso pona ikolo Kongo. Tozana mbo kanabiso, mbuna akuruga te. Akosa peyo te. Toko bundela ekolo Kongo na mpiko nyoso. Toko zongi sa bitumba esike uta. Communiqué officiel en rapport avec les violations multiples du cessez-le-feu par le 123/RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les violations à répétition par l'armée rwandaise et ses supplétifs de 123 du cessez-le-feu voulu par la déclaration finale des pourparlers de Nairobi, du communiqué final du mini-sommet de Luanda et du communiqué du 5 février 2023 à Bujumbura. Les dernières violations en date sont celles intervenues au lendemain du sommet extraordinaire des chefs d'État tenu à Bujumbura en date du 4 février 2023, où les 123/RDF ont attaqué le 5 février 2023, les positions des FARDC à Tuonane dans les alentours de Karenga et à Rumeti sur les collines surplombant les cités de Kaoucha et Mushaki. Le 8 février 2023, à Kingi sur l'axe Lupango-Karenga. Le 9 février 2023, à Kingi. Dans ce même cadre, les forces armées de la République démocratique du Congo attestent que l'attaque de l'hélico de la MONUSCO avec emblème des Nations Unies à Kibati, zone sous contrôle de l'ennemi, intervenue en date du 6 février de l'année en cours, qui a causé mort d'un casque bleu, est encore, une fois de plus, non seulement l'œuvre de M23/RDF, mais aussi une preuve patente du non-respect par ces derniers
du cessez-le-feu. Vous vous souviendrez, par la même occasion, que le M23-RDF n'est pas à sa première attaque contre les militaires du maintien de la paix, car en date du 26 mars 2022, ces derniers avaient abattu un autre hélico de la MONUSCO dans le groupement Boussanza, causant ainsi la mort de 8 casquets bleus. Ainsi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale ainsi que la communauté des États d'Afrique de l'Est et ASEAN en sigle à constater ces violations flagrantes du cessez-le-feu par le M23-RDF afin de tirer toutes les conséquences y afférentes, tout en se réservant le droit de répondre à chaque tentative d'infiltration de ces lignes par le M23-RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent qu'elles demeurent respectueuses de toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, à Luanda et à Bujumbura, tendant à ramener la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Résultons le bon fruit du travail de la sensibilisation qu'a commencé le général Ewunza André Ouketi, commandant de la 12e brigade de réaction rapide, en vue de mettre en vigueur les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilité prônés par le président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette jeune d'âge scolaire, dont 4 enfants de moins de 15 ans, recrutés forcément dans les différentes localités environnantes de Minembwe, ont été rendus avec 3 armes de type AK-47 et évacués pour Bukavu dans l'objectif d'avoir un encadrement auprès des familles d'accueil pour la réintégration de la vie civile. Dans son message aux différents groupes armés, les commandants de la 12e brigade invitent d'autres assaillants à se rendre sans crainte des représailles, car l'armée a besoin de pacifier les hauts plateaux avec l'appui des paisibles citoyens. En outre, il a souhaité la bienvenue à ceux qui ont la volonté de déposer les armes pour qu'ensemble nous construisions une paix durable. Les forces armées de la République démocratique du Congo, déployées en territoire de Lubutu sur les ponts Losso, à la frontière entre la province du Nord Kivu et celle du Maniema, ont mis la main sur deux infiltrés des terroristes du M23, ce jeudi 9 février 2023. Il s'agit des nommés Toumaïni Amissi Christian, porteur de 4 cahiers contenant 2 adresses et coordonnées téléphoniques du Rwanda, 4 cartes SIM dont une MTN du Rwanda, 2 cartes mémoire, 1 galon de capitaine de phare d'essai, une carte de lecteur et quelques photos prises au Rwanda. Le deuxième nommé, M. Ombeni, Justin son compagnon, n'avait aucune identité sur lui. Notez que les deux suspects sont originaires du territoire de Walikale, secteur de Wanyanga. Il s'est dirigé vers Kisangani en passant par Mubi, Mekwe et Losso en territoire de Lubutu où ils étaient appréhendés. Pour l'instant, les deux suspects sont entre les mains des services compétents pour exploitation. Vous allez prêts? Le 8 février 2023, d'une série d'ateliers de renforcement des capacités sur l'équité du genre à l'intention de 215 personnels militaires féminins et 15 militaires nouvellement formés au CI Kituna. C'est le général-major Cheshima Yujistine, commandant corps logistique et point focal genre, qui a donné les coups d'envoi au camp CETA à Kinshasa. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme Makoki à Moissi. Celui-ci s'attelle à renforcer les capacités et à promouvoir le droit de la femme. Dans son mot d'ouverture, le point focal genre des forces armées
de la République démocratique du Congo, le général Tshéchi a remercié le chef d'état-major général, le lieutenant-général Tshuewe Songesha Christian, qui par son leadership a si donné du tonus pour que la promotion du genre dans l'armée soit une réalité. Elle a ensuite demandé aux participants d'être assidus au cours de ses assises pour mériter la confiance placée en eux par la hiérarchie. Pour sa part, le docteur Mike Poi, membre de l'IPAS et l'un des orateurs, a souligné que ces ateliers se tiennent pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo sont confrontées à des multiples agressions dans sa partie est, dont les femmes sont les premières victimes en violence basée sur le genre. Il a ensuite remercié les commandants corps logistique et les commandants corps de santé militaire pour leur implication dans l'organisation de ces ateliers. Ces activités sont organisées dans un cadre particulier où la RDC fait face à des agressions de son territoire par des armées étrangères et les groupes rebelles qui sèment la terreur et la désolation dans la communauté et les populations congolaises. Alors que le pouvoir public tente de réformer notre armée pour sa montée en puissance afin de rétablir l'autorité de l'État, surtout dans la partie est où nous nous souviendrons de nos compatriotes qui sont pris entre deux feux, qui sont chassés de leur maison. Ceci s'accompagne des violences sur les enfants que personne ne s'est arrêté pour le moment. Dans cette refondation de l'armée, AIPAS est heureux de contribuer à l'instillation de l'équité et l'égalité de genre dans le modèle de leadership et de service des forces de l'ordre et de défense qui se construit autour du renforcement des droits de la femme et la masculinité positive dont M. le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est champion africain de la masculinité positive. Auparavant, le général-major Tshéchi a, au cours d'une causerie morale, exhorté le personnel féminin militaire à donner le meilleur d'elle-même pour la réussite de ses assises. On a kobanda activité, il y a formation et information na IPAS. Bolanda mateya, bo intérioriser yango, bo maîtriser yango, ba oyo ba kozana ba capacité, bo continuer bo kende pe côté ya baninga o bazali na bino awate. Toyokani. Une cérémonie d'échange de vœux de nouvel an a été organisée par l'association des épouses de médecins, dentistes et pharmaciens militaires. MEDEFA en sigle, le samedi 11 février 2023. C'était à l'espace Beki situé dans la commune de la Gombe. Le but de cette cérémonie a été de consolider les relations de fraternité dans la famille MEDEFA. Prenons la parole. La présidente de cette association, Madame Marie-Christine Singar, a souhaité la bienvenue à tous. Elle a par ailleurs retracé l'historique de cette Ice Bell, tout en lançant un appel aux époux médecins d'inciter leurs femmes à rejoindre le groupe. Rappelons que ces femmes de cette association, dans le cadre humanitaire, assistaient les blessés de guerre par un don de vivres et non-vivres composé de savons et autres au camp Kokolo, suivi d'une remise d'une machine à laver à la maternité Semiva en 2020. Et vous souhaitez la bienvenue à cette cérémonie d'échange de vœux. Notre association est née il y a plus de 3 décennies sur l'initiative d'un groupe d'épouses de médecins, dentistes et pharmaciens militaires, dans le but principalement de rassembler toutes les épouses afin de tisser des relations d'amitié, de fraternité et d'entraide. Ce qui est bien illustré par notre devise « Unité, entraide, amour ». Et c'est ici l'occasion de lancer un appel aux époux afin qu'ils puissent autoriser leurs femmes à rejoindre le rang de MEDEFA. Cependant, nous signalons quelques modestes réalisations, entre autres, une assistance aux blessés de guerre en vivres, savons et autres petites choses en 2015 à l'hôpital militaire de référence du camp Kokolo. Remise d'une machine à laver à la maternité du Semiva en 2020. Au terme de cette cérémonie, Madame Ngalula Perpétie Mbouyi a livré ses impressions à la caméra des coups militaires. Tozo benga, tozo pesambela na ba mama nyonso, ya ba médecin militaire, ya ba pharmacien, na ya ba dentiste. Toza la kana association o ba benga ka MEDEFA. MEDEFA ezo sangisa basi nyonso ya ba soda wana.
et bandi na ba grade ya seti na likolo topona kate tozo senga na batata nyonso na ba papa batinda basi na bango. Vous êtes compétent de connaître les infractions commises par les cibles vénines sur le premier président. La cour militaire de la Tchopo et Eutiwele a ouvert le mercredi 8 février 2023 une audience foraine au stade Kinkole à Isiro, chef-lieu de la province de Eutiwele. Au cours de cet exercice judiciaire, le ministère public poursuit les prévenus commissaires supérieurs Tolonga Ngandwembe Dedeli, commissaire supérieur Kyongo Kingombe Olivier, Grâce Owama Machobe, Moro Palata Moïse alias Eyasa, Bogi Nekebone Michel alias Kodose, Motambi Engbado Feli, Mbulitini Kumboyo Michel alias Zekele, Badiatide Ambira Michel, Mungu Jakisa Jacques pour association des malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre, évasion des détenus, vol qualifié, faux en écriture et recel des objets volés. Les premiers jours étaient consacrés à l'identification des prévenus. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa. D'accord. Nous avons été à Kinshasa dans les 24 mois de 1965. Comment papa n'a eu? Kitolonga. Kitolonga. Azali? Akofi. Comment maman n'a eu? Kamundo. Azali? Akofa. État civil n'a eu? Nazamari. Comment moi n'a eu? Régime Bati. Dosana Banaboni. La cour est composée de colonel Diemo Mbouya, premier président, lieutenant-colonel Mouzans, ministère public, lieutenant-colonel Benda, greffier du tribunal, commissaire supérieur Mumbembe, juge assesseur, lieutenant-colonel Banza Malongo John, juge assesseur, et lieutenant-colonel Gakinda, juge assesseur. Le recrutement dans l'armée est organisé. Pour être accepté, il faut d'abord être jeune. Et ce n'est pas n'importe quel jeune, il faut avoir l'âge de 18 ans accompli et se situer dans la fourchette de 18 à 25 ans. Pour ceux qui veulent embrasser la carrière militaire, il faut être célibataire et sans enfant. C'est parce que vous avez assigné, vous aurez assigné en tant que recrue un contrat après la formation pour servir totalement la nation pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans-là, vous devez être célibataire et sans enfant parce que vous serez totalement engagé au service de la patrie sous le drapeau. Après 7 ans, vous êtes libre de choisir de continuer dans l'armée et à ce moment-là, vous pouvez vous marier, vous pouvez avoir les enfants, que vous soyez fille ou garçon. L'autre condition, c'est qu'il faut être de nationalité congolaise. Et il n'y a pas que ça, il faut être physiquement apte et avoir aussi une bonne santé. Et quand je dis physiquement apte, c'est que lorsque vous venez comme candidat au recrutement, c'est-à-dire vous venez vous enrôler, on va vous passer des tests physiques, que ce qu'on appelle les TAPG, les tests d'aptitude physique générale. Si vous remplissez les conditions, vous passez aussi les tests médicaux. Si on constate que vous n'avez pas des maladies incurables, là, on vous accepte et vous devenez recrue. L'autre condition, c'est qu'il faut être en ordre avec la justice. On ne recrute pas les gens qui ont des problèmes judiciaires. Si vous avez un casier judiciaire vierge, alors là, vous venez dans l'armée, puisque l'armée n'est pas une poubelle. L'armée, c'est un corps d'élite qui ne reçoit que les gens qui sont en ordre. Et voilà les conditions principales qui font qu'on puisse vous accepter lorsque vous venez vous enrôler dans l'armée. On ne recrute pas les enfants de la rue. Les enfants de la rue sont orientés vers le service national qui les prend lorsque la police les ramasse. On les envoie au service national. Mais chez nous, les conditions sont strictes. Vous pouvez échapper au premier contrôle. Mais lorsque vous arrivez au centre d'instruction et on constate que vous êtes en conflit avec la loi, on vous remballe. Le personnel militaire féminin recrut au centre d'instruction de Kitona sont renvoyés de la formation militaire ce lundi 6 février 2023 à 10h15 suite à leur mauvais comportement, à savoir
grossesse, ivresse publique, consommation de drogue, indiscipline et divagation, pour ne citer que cela. Et on a déjà renvoyé les inaptes, on a déjà renvoyé des gens qui sont malades, on a déjà renvoyé les gens qui ont des conditions pareilles, qui sont arrivés à Kitona et qu'on a déjà remballé au Nord Kivu, en Ituri, aussi, ils sont venus du Kassai, ils sont venus de Kinshasa aussi et du Congo central. On les a déjà remballés et le contrôle continue, il est permanent. Et en plus de ça, on ne recrute pas les moins de 18 ans. Et l'UNICEF ainsi que les structures de la MONUSCO qui s'occupent de la protection de l'enfant, ils viennent. Notre pays a été enlevé de la liste des pays qui recrutent les enfants soldats. Donc il ne faudrait pas qu'on retombe dans ces travers-là. Pour cette année-ci, depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le commandant suprême des forces armées, a lancé la mobilisation générale, il a instruit le gouvernement qui a mis des moyens. Et partout, Akitona lui-même est allé lancer l'opération. La logistique a précédé. Et les gens, pour la première fois, mangent 3 fois par jour. Un petit déjeuner, dîner le soir. Et la logistique qui a précédé, c'est 3 mois de nourriture. Et en plus de ça, il y a tout ce qui est matériel didactique, tout ce qui est lié à l'assainissement du milieu. Alors, il y a eu des forages qui ont été réalisés à Kitona et des citernes à eau. Et aussi, il y a des véhicules citernes qui sont là pour ravitailler les différents sites où sont cantonnés les militaires. Après Kitona, qui a déjà accueilli plus de 10 000 recrues, aujourd'hui, on a ouvert le centre de Kamina, qui a déjà plus de 7 000 recrues aujourd'hui. Et il continue à y arriver. Et on doit atteindre le même effectif de 10 000 recrues et plus à Kamina. Et comme à Kitona, la logistique a précédé et continue à arriver. Les dépôts de vivres se remplissent. Le matériel didactique est également prêt. Et après Kamina, ce sera peut-être le tour de Moura qui doit recevoir 5 000 recrues. Et aussi le tour de Kanloko, le centre d'instruction de Lokosa qui doit recevoir aussi 10 000 recrues. Et d'autres centres le seront au fur et à mesure. C'est pourquoi je profite de votre micro pour appeler les jeunes à venir très très nombreux. L'armée a besoin d'eux, et ce n'est pas l'armée, mais c'est la patrie qui a besoin d'eux pour sa défense. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Pour voir l'esprit de défense et faire de chaque jeune Congolais et Congolais un citoyen et une citoyenne engagée. J'ai 18 ans, je me suis fait recruter dans l'armée. Et toi? J'ai 22 ans, je me suis fait recruter dans l'armée. Et toi? J'ai 25 ans, je me suis engagé dans l'armée. Et toi? Bon
boya ebele totombola bendele ya mboka na biso ozama mpinga maikolo Kongo moto abangisa yo te mpe kobanga eloko moko te kobanga mangungu ya pambala pambala te tolapaki ngai tokowa mpona ekolo biso mampinga topoisaka bendele ekolo te topoisaka bendele ekolo na biso te tobunda totangisa makila mabiso mpona ekolo Kongo tozala na mboka na biso nguna akoluka te akosa pe yo te tokobundela ekolo Kongo na mpiko nyonso tokozongisa bitumba esika eutaki.